Faut-il, oui ou non, laisser mourir Vincent Lambert? Le Conseil d'État va en tout cas se pencher sur cette question ce matin. Le sort de Vincent Lambert n'est toujours pas scellé. Le Conseil d'État commande une nouvelle expertise médicale sur le tétraplégique de 28 ans et promet de se prononcer avant l'été. Il demande qu'on le laisse partir. Pour eux, Vincent Lambert n'a aucun espoir d'améliorer son sort. Depuis des semaines, la presse s'acharne sur le sujet. Depuis des semaines, on rivalise d'arguments, d'avis et d'opinions diverses. À coups d'approximations permanentes, d'erreurs de toutes sortes, comme ce journal de la presse écrite par exemple, connu pour ses positions de donneur de leçons, expliquant l'accident de moto de Vincent, quand il n'est pas question d'attaque personnelle et de jugement arbitraire. Par la forme de leur discours, les médias parisiens finissent peu à peu, comme à leur habitude, par rendre légale une mesure illégale. Une manipulation de l'opinion publique totalement déguisée, assujettissant les Français à une pensée contre nature. Rares sont les médias qui, dans le traitement du douloureux dossier de Vincent Lambert, ont usé de prudence et d'objectivité. Retour 5 ans en arrière. Nous sommes ici au sud-est de Reims. Nous avons voulu retourner à l'endroit exact où Vincent Lambert a eu son accident. Nous nous y sommes rendus aux côtés des parents de Vincent, Pierre et Viviane Lambert. Désolée. Il s'y plaisait bien, Vincent. Hein, il s'y plaisait bien tous les deux à Vadonnet. On tournait à gauche pour aller chez eux. Le 29 septembre 2008, il est 13h25. Vincent Lambert quitte son domicile de Vadonnet, près de Reims. Il monte dans son véhicule, se dirige vers Châlons-en-Champagne, où il travaille comme infirmier. Pour ce faire, il emprunte la départementale 994. Quelques kilomètres plus loin, pour des raisons inconnues, sa voiture quitte brutalement la route et s'écrase dans le talus de gauche après cette courbe. Vincent est éjecté violemment par la porte latérale. Transporté d'urgence à l'hôpital de Châlons-en-Champagne, il est envoyé en réanimation, soins intensifs, puis le centre de rééducation de Berck dans le nord de la France. Entre-temps, le patient est envoyé en Belgique pour des tests neurologiques avant de rejoindre le CHU de Reims. Ici même, rue Sébastopol, Vincent restera 18 mois dans le coma. Étant sur Reims, on est mis tout de suite auprès de notre belle-sœur. Il était branché un peu de partout, comme on peut l'être dans ce genre de situation. Chaque heure était comptée. Le diagnostic vital était très fortement engagé de Vincent. Et puis après, eh bien, on a gagné des heures, on a gagné des journées. Ensuite, on a gagné quelques semaines. Vous me disiez à l'instant, Vincent avait les yeux ouverts. Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il a réouvert les yeux, comme vous et moi, en se réveillant, finalement. On a vu ses paupières s'ouvrir et on s'est dit, ça y est, il revient à lui, quoi. Vincent revient à lui. Sorti du coma, il a besoin d'être hydraté et alimenté. Quelques temps plus tard, pourtant, le 10 avril 2013, le corps médical, d'ailleurs divisé sur la question, va prendre une incroyable décision, celle de couper l'alimentation de Vincent. Les parents du jeune homme apprennent stupéfaits l'information par un autre de leur fils. Alors, en pleine nuit, Pierre et Viviane Lambert parcourent les 700 km qui séparent Molan dans la Drôme, où ils résident, à Reims dans la Marne, pour aller au chevet de leur fils. On est allé voir Vincent qui a pleuré, vraiment pleuré. Quand il nous a vus, il a pleuré. C'était grand temps qu'on arrive. Sa sœur de Bretagne est arrivée. Un médecin, madame, vous a dit, sauf erreur de ma part, vous a dit, votre fils fait de la conjonctivite. Oui. Mais c'est après ça, quelques jours après. Non, voilà, c'est que moi, pour être claire,
C'est pas à moi-même qu'il l'a dit, il l'a dit à une de nos filles. Quand je lui ai dit, mais Vincent pleure, elle a été vraiment choquée. Elle a demandé elle-même au médecin, mais Vincent pleure, qu'est-ce qui se passe? Elle lui a dit, faut pas vous inquiéter, c'est de la conjonctivite. C'est quand même gros. Et Vincent, je lui essuyais ses larmes. Ouais. Pour vous, il pleurait? Ah, il pleurait. Il a pleuré quand David est arrivé. Il a pleuré quand Anne est arrivée. Il a pleuré, il a pleuré. C'était pas des yeux collés, c'était des larmes. Voilà. Privé d'alimentation durant plus de 2 semaines, Vincent Lambert a dû vivre un calvaire. Pourtant, le docteur Carigère et quelques-uns de ses collègues s'entêtent, comme le professeur François Blanchard, ici, sur cette photo. Celui-ci s'était exprimé en ces termes à Pierre Lambert. Un sous-entendu qui en dit long. Notre décision médicale, elle s'appuie sur un pronostic qui est à 99,99% consolidé. Oui, Vincent Lambert, malheureusement, et je suis le premier à être malheureux pour ce patient et pour ses proches, restera dans cet état-là, sans progrès, sans capacité à communiquer avec son entourage, aussi bien aussi sur une manière aussi simple qu'un battement de paupières ou qu'un mouvement d'orteil. Donc aujourd'hui, Vincent Lambert est définitivement condamné à être enfermé dans son corps, mais en plus avec une situation tout à fait singulière, c'est que c'est un corps qui manifeste des émotions probablement pas ressenties par le malade, mais son corps est souffrant, son corps manifeste des émotions. Propos persuadés mais en même temps contradictoires et ambigus d'Éric Carigère. Car si le patient ressent des émotions, comme il le dit, ne faut-il pas justement plaider pour sa vie? Au-delà du pronostic, pour justifier l'arrêt de l'alimentation de Vincent au printemps 2013, les médecins s'appuient sur une simple affirmation orale de Rachel, l'épouse de Vincent. Son mari a-t-elle expliqué au corps médical, son mari aurait demandé l'euthanasie. Mariée depuis seulement 2 ans, Rachel et Vincent auraient-ils réellement abordé un sujet aussi lourd pour un jeune couple? On peut légitimement s'interroger sur l'absence totale de preuves matérielles dans un dossier aussi grave. À plusieurs reprises, nous avons tenté de joindre Rachel Lambert au téléphone, en vain. Nous savons qu'elle n'habite plus la ville de Reims, mais qu'elle est partie s'installer loin de là, dans la région de Bruxelles. Parce que leur fils a été privé d'alimentation, Viviane et Pierre Lambert vont s'opposer au corps médical et porter l'affaire devant les tribunaux. Par 2 fois, la justice leur donnera raison. Vincent est de nouveau réalimenté, mais en février dernier, rebondissement, son épouse, Rachel, saisit le Conseil d'État pour que soit annulée la décision du tribunal. C'est donc à la plus haute juridiction française que va revenir désormais la lourde et grave tâche de trancher. C'est lui qui décidera de la vie ou de la mort de Vincent Lambert. La loi Leonetti de 2005 a pour objet d'éviter les pratiques d'euthanasie. Parallèlement, cette loi proscrit l'acharnement thérapeutique. Or, Vincent Lambert est tenu en vie, non par des machines, mais grâce à l'eau et l'alimentation qu'on lui donne. Où est donc l'acharnement ? En nous recevant dans son bureau il y a quelques jours à Reims, le docteur Carigère a omis de nous indiquer qu'un autre de ses patients était dans le cas de Vincent, dans le même établissement que lui. Ce, depuis près de 15 ans. De ce patient, curieusement, personne n'en parle.